Bonjour et bienvenue sur ce nouvel article vidéo de mon wiki informatique. Aujourd'hui, je vais vous parler du hashtag. Le hashtag, c'est tout d'abord une touche de notre clavier informatique que l'on connaît aussi sous le mot dièse. S'il commence par le même signe typographique, le croisillon, l'hashtag se différencie du dièse car on y trouve accolé un ou plusieurs mots sans espace, les tags ou étiquettes. Les internautes l'utilisent dans leurs publications sur les réseaux sociaux car la caractéristique principale de l'hashtag est de composer un mot-clé ou une expression cliquable. C'est un lien, un peu comme celui que vous utilisez dans vos documents ou sur Internet pour vous déplacer, mais doté non pas d'une adresse où se déplacer, mais d'une fonction particulière de recherche sur lui-même. Les utilisateurs intéressés par le mot-clé le cliquent pour accéder à l'ensemble des posts, articles, etc. qu'ils contiennent. Aussi vous, si vous choisissez bien ceux que vous insérez dans vos publications, vous pourrez être lu par un grand nombre de personnes. L'hashtag a-t-il une date de naissance? C'est une question un peu difficile, car l'hashtag existe depuis fort longtemps, on le trouvait déjà dans les années 70, dans certains langages informatiques. Son lancement, véritablement, est à partir de 2009, quand Twitter commence à interpréter automatiquement les hashtags en lien hypertexte, menant vers une page de résultats de son moteur de recherche recensant tous les tweets qu'ils contiennent. Où l'utilise-t-on? Sur les réseaux sociaux, Twitter donc, la plupart des tweets comprennent un ou plusieurs hashtags. Sur Facebook, les hashtags ont été lancés le 12 juin 2013. Sur les réseaux sociaux, la palme du plus gros consommateur de hashtags par post revient à Instagram, qui permet d'en utiliser jusque 15, voire même 30 selon les comptes, au sein d'une même publication. Notez bien que l'hashtag désormais, et bien qu'il soit donc un élément constitutif des posts des réseaux sociaux, dépasse leur cercle et permet d'effectuer des recherches depuis notamment les moteurs de recherche. Même si, pour accéder à certains contenus, vous devrez passer via votre compte Twitter ou Instagram, vous obtiendrez des résultats de recherche pertinents hors des sites les plus sponsorisés. Pour écrire un hashtag, la bonne orthographe, ça ne se discute pas, même si vous pouvez vous permettre quelques écarts pour plus de visibilité, comme par exemple dans Fan de toi ou JDC-JDR. Je dis ça, je dis rien. L'utilisation d'acronymes comme hashtag PFW plutôt que Paris Fashion Week est assez stratégique, surtout pour un tweet. Même si nous sommes passés depuis fin 2017 de 140 à 280 caractères. Autre exemple, et sachant que le hashtag aime l'anglicisme, hashtag OOTD ou Tweet of the Day, tenue du jour, le hashtag préféré des fans de mode, on l'accompagne généralement d'un selfie montrant sa tenue, mais rassurez-vous, ce n'est pas obligatoire. Hashtag YOLO, You Only Live Once, on ne vit qu'une seule fois. Une expression qui annonce qu'on a fait ou qu'on va faire quelque chose d'un peu débile sans trop penser aux conséquences. Ou encore, parmi les plus connus également, hashtag NSFW, Not Safe for Work, pas sûr pour le travail. Quand un contenu ne devrait pas être affiché sur un écran au bureau, où vos collègues, voire votre patron, peuvent vous surprendre. A l'inverse, si vous croisez un hashtag SFW, Safe for Work, vous pouvez cliquer sans craindre. Sauf si c'était une blague. Faites attention à la casse car les caractères spéciaux sont pris en compte. Il est possible d'utiliser le tiret du 8. En revanche, attention, le tiret du 6 est à proscrire. Avec ou sans majuscule, là par contre, même résultat, et l'utilisation des majuscules permet une meilleure lecture de la suite des mots qu'il compose. Aussi, à utiliser sans modération. Vous placez une majuscule au début de chaque mot. Voici en quelques mots ce qui m'en semble l'essentiel à connaître sur le hashtag. Je vous invite via vos commentaires à compléter ces informations si vous voyez quelques points que j'aurais omis. Comme toujours, merci à mes abonnés et merci à vous qui allez vous abonner car cela soutient ma chaîne. À bientôt pour une prochaine vidéo.